C'est un personnel visiblement heureux de retrouver son patron cet après-midi au siège de Vision 4 RCA. Jean-Pierre Amougou-Bellinga est venu s'enquérir des conditions de travail des employés 4 mois après l'ouverture officielle de la télévision africaine en RCA. L'objet de ma visite est de galvaniser les troupes en tant que top manager après la visite effectuée auprès de la présidente de la République. Il était question que je vienne donc faire le point avec les responsables de Vision 4 RCA, ce qui a été fait, et de galvaniser aussi les collaborateurs pour leur demander de travailler avec abnégation pour permettre à Vision 4, qui est déjà connue par les Centrafricains, de prendre sa vitesse de croisière et pour que les uns et les autres donc puissent attendre la valeur ajoutée qui permettrait donc à Vision 4 d'être une télévision compétitive, une télévision conquérante. Après le tour du propriétaire et un échange avec le président du conseil d'administration de Vision 4 RCA, Joël Kouemo, le président directeur général du groupe L'Anecdote s'entretient pendant une trentaine de minutes avec ses plus proches collaborateurs et l'ensemble du personnel. Jean-Pierre Amougou-Bellinga, un bon père de famille, s'est montré attentif à chaque problème soulevé et a promis de faire le nécessaire pour la bonne marche de ce projet. C'est des problèmes micro, en ce sens que les problèmes macro ont déjà été réglés en amont. Maintenant, les problèmes micro sont réglés et seront réglés dans les plus brefs délais. D'ailleurs, on a commencé à les régler. Il faut tout simplement la logistique pour permettre à notre télévision d'être opérationnel et de pouvoir donc relever les défis qui sont les leurs. Avec plus d'une trentaine d'employés, Vision 4 RCA, à peine introduit dans le paysage médiatique du pays, connaît un grand succès auprès des populations centrafricaines, fruit d'un dur labeur. Il dérange au niveau de la compétition en République centrafricaine. Donc c'est un long travail parce que nous sommes d'abord très soutenus par le président directeur général qui n'hésite pas à mettre les moyens qu'il faut afin que la chaîne de télévision se porte bien. Maintenant, de l'autre côté, l'organisation du travail, la discipline, la couverture des événements, bref, le travail journalistique, on essaye de mettre la pression, d'accompagner, de soutenir, de réfléchir et de se sacrifier afin que la télévision puisse monter de plus en plus en puissance. La télévision Vision 4 RCA se veut plus que jamais un média au cœur de l'actualité centrafricaine. Et les programmes proposés par cette chaîne le démontrent à suffisance.